Jean de mer au cœur des transports maritimes de demain, thème qui a sous-tendu la célébration de la Journée mondiale de la mer édition 2021. Sensibiliser, mobiliser l'humanité sur les progrès de la modernisation du secteur des transports maritimes, souligner l'importance des gens de mer dans le maintien de la chaîne d'approvisionnement en biens vitaux en vue de cette journée mondiale. La mer est le patrimoine de l'humanité. C'est une richesse que nous avons en partage. Et nous avons la responsabilité de la gérer de manière pérenne dans le strict respect de la Convention internationale des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à laquelle la République du Congo a souscrit. En conséquence, sous l'égide de l'Organisation maritime internationale, une impulsion du secteur vers un avenir meilleur a été donnée par l'adoption et l'élaboration des normes appropriées visant notamment le renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime, la protection de l'environnement, le travail maritime et la digitalisation de ce secteur. Plusieurs thématiques ont constitué le statut de cette célébration, à savoir la gestion des escales des navires à l'ère de la Covid-19, la gestion et la protection des gens de mer, les femmes dans l'industrie maritime, véritable valeur ajoutée. Le thème de cette année n'est pas un choix de la marine marchande congolaise. Il s'agit d'un thème qui est donné par l'Organisation maritime internationale. Dans le Congo, notre pays est membre depuis le 5 septembre 1975. Rendre hommage à ces braves hommes et femmes qui travaillent pendant que nous sommes restés à la maison. Ils continuent à parcourir les mers du monde pour nous apporter des produits pharmaceutiques, pour nous apporter des vivres. C'est pourquoi l'Organisation maritime internationale a bien voulu les mettre en valeur. L'objectif visé par le thème de cette célébration est d'accroître la visibilité de l'action des gens de mer.